Gaël Piques, je suis ingénieur d'études au CNRS, basé à Lattes, dans le sud de la France, dans le laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes. Donc, je présente ici donc, avec des collègues un projet sur l'étude des produits à base de poissons, les produits romains à base de poissons. C'est des études de contenu, d'amphores et de peau. Donc, c'est une étude qui repose sur des. Plusieurs sites ont été étudiés. Du matériel qui vient de l'épave de Beauferrère, qui se trouve vers Alicante et à Villahermosa, justement. Et puis également Arles, des fouilles d'Arles et puis de Narbonne. Le principe est. Cette étude a reposé sur l'étude de restes de poissons recueillis dans des amphores et des pots. Et donc, à partir de cette analyse, on essaye de caractériser un peu quelles étaient les espèces représentées, si elles étaient entières, si elles étaient en morceaux, et essayer de caractériser ainsi les produits, voir si on avait des sauces de poissons ou plutôt des conserves de poissons. Et le but, c'est essayer de caractériser pour chaque type de céramique, en fait, le type de produit. Voilà, ça peut résumer.